Gloire à Dieu. Je suis le frère Nikema Thomas. Mon fidèle disciple, c'est pasteur Thiadé Stéphane Junior. Je suis au Burkina présentement, mais c'est ici que j'ai cru, en Côte d'Ivoire. Vous avez les salutations des frères du Burkina. Et vous avez les salutations du pasteur Innocent, le pasteur Franck. Frère, mon témoignage, c'était ma vie en prison. Comment je me suis rendu en prison? J'ai fait les papiers de ma fille légalement et j'ai suivi toutes les procédures pour faire les papiers. Et comme ça, je me suis retrouvé devant les autorités. Et moi et ma fille, parce que Interpol nous a saisis. Vraiment, ils ont fouillé, ils ont saisi tous mes documents, ils ont saisi tous mes papiers, ils ont saisi tous mes ordinateurs. Après vérification, ils n'ont rien trouvé. Mais ils m'ont dit, comme l'affaire est quittée sur les autorités, on ne peut pas te laisser. Entre toi et ta fille, quelqu'un doit aller en prison et le jour du jugement, on va voir. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir à la place de ma fille. Quand je suis arrivé en prison, d'abord on m'a mis dans sous-sol. Et c'est là-bas que j'ai demandé à ma femme de m'apporter tous les documents chrétiens. Et elle en a envoyé. Et j'ai commencé comme ça, j'ai dit, Seigneur, moi je suis venu en mission ici. Je sais que je suis venu en mission. Et si je suis dans le sous-sol, je suis seul, je suis dans le sous-sol, comment je pourrais prêcher ceux qui sont de l'autre côté? Et j'ai pris 3 jours de jeûne. Et le Seigneur m'a exaucé. Le 3e jour, le Seigneur m'a enlevé et je suis allé à Mako. Jésus-Christ. Quand je suis arrivé en prison, au moment où les gens sont en train de chercher comment ils vont me faire sortir, moi je suis en train de chercher comment je vais faire l'œuvre de Dieu. Dès que je suis arrivé, je me suis approché et de chef de cellule. Je lui ai dit que moi je suis un chrétien de la CMCI, est-ce que ici je peux prêcher l'évangile? Il m'avait donné l'autorisation de prêcher l'évangile. Et j'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai commencé à prêcher l'évangile. Chaque fois que quelqu'un venait, je prêchais l'évangile. Chaque fois que quelqu'un venait, je prêchais l'évangile. Et les gens ont commencé à croire. Ainsi de suite, un jour, j'ai croisé quelqu'un et je lui ai prêché l'évangile en prison là-bas, en étant en prison. Je lui ai dit, le Seigneur t'aime. Il m'a dit, moi je suis un sorcier. Et ton wala que tu es en train de faire ici là, je vais te montrer. Si tu n'arrêtes pas de crier, je vais te montrer qui je suis. Il dit, moi, je ne suis rien, mais c'est celui qui est en moi qui est fort. Jésus-Christ. C'est comme ça. Et puisque c'est des moments où on vous fait sortir, tout le monde était là. Il a dit, aujourd'hui, sois là. Je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer que je suis au nouveau chef. Qu'après le nouveau chef, c'est chien. Après le chien, c'est l'homme. Je ne comprenais rien puisque je ne pratique pas la sorcellerie. Et quand je suis rentré, et même lui, il m'a dit, demain matin, tu vas voir. Et quand je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, délivre ce monsieur. Délivre-le parce qu'il ne sait pas à qui il a affaire. Mais j'ai pitié de lui. Et je me suis plongé dans le sang de Jésus-Christ. Je me suis couvert dans le sang de Jésus-Christ. Je me suis levé ma tête bonheur, je le vois, il est en train de coincer sa tête partout. Il a piqué folie. Gloire à Dieu. Amen. Ils l'ont attrapé. Il a commencé à mordre les gens. Personne ne pouvait l'attraper. Les policiers sont venus l'attraper. Je suis venu, j'ai imposé la main, j'ai prié pour lui. Il est resté tranquille. Ils sont venus, ils l'ont piqué Valium 12. Pour qu'il s'ablise. On l'a envoyé dans une autre cellule égarée. C'est là-bas, même malheureux qu'il était là-bas, il est en train de mailler les gens.
un jour, ma femme vient me rendre visite et je tenais la Bible et quelqu'un me dit, c'est toi qui promènes ici avec la Bible, tu parles partout, tu cries partout. J'ai dit non, je suis en train de prêcher l'évangile. Je suis un missionnaire, je suis venu prêcher l'évangile ici. Et c'est comme ça, le policier était fâché. Il dit aujourd'hui, tu vas voir. Je vais t'emmener où l'homme qui est en train de mailler les gens là. Tu vas voir aujourd'hui. Je me suis rappelé la force de l'Ur, de Daniel. Ce que Daniel avait prié et le Seigneur avait fermé la bouche au lion. Et je me suis dit, Seigneur, je veux que tu fermes la bouche de ce monsieur. Ferme la bouche de ce monsieur. Effectivement, il m'a envoyé là-bas. Dès même qu'on a ouvert la porte, je suis rentré. Et le monsieur, il a commencé à dire, « Pasteur, comment tu vas ?» Jésus-Christ. Il m'a dit, hier, voilà ce que ma femme m'a envoyé. Ma femme m'a envoyé Gary, ma femme m'a envoyé Coca, ma femme m'a envoyé, il faut te servir, enlève tout ce que tu veux. Et je suis resté, j'ai prié pour lui. Et je lui ai donné le Nouveau Testament. Il dit, il faut lire avec ça, le Seigneur va te délivrer. Et c'est comme ça, après, je suis sorti. Et chaque fois, ma femme venait avec les enfants. Et c'est comme ça, il venait toujours. Il dit, ouais, les enfants ont besoin de toi. Et j'ai dit que moi, je dois faire l'œuvre de... Je dois faire l'œuvre de mon père. Tant que je n'ai pas fini de faire l'œuvre de mon père, moi, je ne vais pas demander à Dieu que je vais quitter ici. Et c'est quand j'ai commencé à évangéliser et à former des disciples, et j'ai eu au moins plus de 10 personnes qui se sont données et qui ont commencé à prier. Et j'ai nommé les gens. J'ai dit, maintenant, aujourd'hui, je peux demander le Seigneur et le Seigneur va me délivrer. Et j'ai commencé à prier. J'ai pris 3 jours de jeûne. J'ai dit, Seigneur, si tu ne m'as pas fait sortir, je ne vais plus manger. C'est ce qu'il a dit le Seigneur. Et premier jour de jeûne, deuxième jour de jeûne, troisième jour de jeûne, j'étais en train de dormir. Le Seigneur m'a apparu. Je ne parle pas de son. Le Seigneur lui-même m'a apparu. Tout blanc. Il m'a dit, aujourd'hui même, tu seras libéré. Jésus-Christ. Impossible est devenu possible. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit là-bas, on ne libère pas quelqu'un. Parce que je me suis rappelé de mon fidèle de disciple, il m'a dit, si tu sais que tu as eu une révélation de Dieu, il faut parler. Je suis levé, j'ai dit à les disciples, j'ai tapé porte à porte, j'ai dit, le Seigneur a dit que je serai libéré aujourd'hui même. Les gens ont commencé à dire, c'est impossible. Et ils sont venus taper à la porte. On a besoin de l'unitièrement, Thomas. Gloire à Dieu, comme le temps est déjà truc, et c'est comme ça, je suis sorti, même mon avocat, même personne n'a su que je suis sorti. Et quand je suis sorti, j'ai dit aujourd'hui, je marche à pied pour te louer jusqu'à la maison. Je ne vais pas emprunter une voiture, je ne vais pas emprunter quelque chose. Parce que toute ma famille m'avait abandonné, toutes les personnes m'avaient abandonné. Mais j'ai su que le Seigneur voulait me délivrer de quelque chose. Parce que dans notre famille, chaque jour, le dimanche, on doit faire une, on doit faire ceci. Mais personne n'est venu me rendre visite. Personne m'a envoyé la nourriture. Mais le Seigneur s'est occupé. Le Seigneur a tout fait. Donc, je rends toute la gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je me nomme Gorelou Amundi. Mon fidèle et disciple, c'est le frère Ebenezer. Je veux dire merci au Seigneur. Il a renversé principauté dans ma famille et dans mon village. Hier, quand on a fini de prier, le pasteur nous a demandé qu'on doit toujours continuer la prière à la maison. Hier, quand je suis rentrée, j'ai trouvé ma grande soeur, c'est une soeur en Christ à CMCI, et je lui ai demandé, la grande soeur, principauté de nos familles, là, c'est quoi? Elle nous a dit, que c'est notre nom goré, là, c'est ça, que c'est bois, que nos parents... Bon, c'est bois qui est notre nom, qui est le nom de mon papa. Il a dit, gloire à Dieu. Il a changé mon extrait. Il dit, t'as changé ton extrait, ouais. Faut juger l'esprit qui est derrière ton nom. Il a dit, gloire à Dieu.
La nuit avant de me coucher, j'ai prié. Et ça me faisait mal comme cela. J'ai dit, pourquoi mon nom, ça peut être bois. Bois qui est dans la forêt. Là. Et j'ai prié. Le petit matin, je me suis réveillée. Et j'ai continué à prier. Quand j'ai prié, je me suis endormie. Je me suis endormie. Moi, ma grande soeur, on s'est retrouvés au village. On s'est retrouvés dans la forêt. Et mon papa me disait que c'est là, il y a la forêt, où il y a son bois. Vraiment, quand on danse, combien les femmes, elles attachent pas. Bon, ils ont attaché. Et mon papa nous disait à chaque fois, bon, je ne prenais pas ça au sérieux. Et quand on s'est retrouvés dans le village, en brousse, il y avait moi, ma grande soeur et ma famille. Ma maman aussi, elle en CMCI. Vraiment. Et ma grande soeur m'a dit, prie pour Ab qui a arrêté là. J'ai dit, et j'ai commencé à prier. J'ai dit, toi l'Ab qui a arrêté. Moi, je m'appelle Gorelou. Toi, tu es l'Ab et tu restes dans la brousse ici. Moi, je suis l'homme, je me retourne au village. Et c'est comme ça que j'ai prié. J'ai commencé à juger l'Ab qui a arrêté. Ab a tourné la tournée, puis il est tombé. Jésus. Est tombé et le Seigneur même a pris. André, c'était les trucs qu'on prend pour couper arbre en brousse, là, les arbres. Là. Et, si, il a commencé à découper. Et ma grande soeur m'a dit donc, de regarder dans l'arbre. J'ai regardé au milieu, il y avait d'or, plein d'or. Il y avait des papiers, il y avait alliance de mariage, et j'ai pris à lien, j'ai porté, j'ai ramassé. Jésus-Christ. Il y avait des autres diplômes, des papiers, et j'ai ramassé, j'ai donné à ma grande soeur. Quand j'ai fini de ramasser, mon papa est venu s'arrêter devant Abby, il a commencé à dire, on a dit merci au Seigneur parce qu'il nous a délivrés, et on a commencé à danser. Mon maman est venue, mes autres frères, il y avait plein d'enfants autour de nous. On a commencé à danser, et on a dit, moi, ma grande soeur, qu'on doit se retourner dans le village. Quand c'est retourné, il y a l'eau là. C'est l'eau là qui protège, il y a des serpents dedans. Et mes parents nous disaient à chaque fois que c'est l'eau là qui protège nos villages encore. Et j'ai dit, bon, ça c'était avant. J'ai dit, d'accord. Quand on est arrivé on est arrivé devant l'eau. Gros serpent est sorti dans l'eau et il est arrivé devant nous. Ma grand-sœur lui a demandé, qui es-tu? Il dit, c'est moi, je protège vos villages. Ma grand-sœur dit, toi? Il dit, oui. Et puis ça arrêtait comme cobra, il nous regardait. Moi, ma grand-sœur était devant, les parents sont derrière. Ils nous regardaient. Ma grand-sœur dit, toi, serpent, juge au nom de Jésus. On a commencé à juger. Moi, ma grand-sœur, les autres frères, ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas comment faire. Ils nous regardaient. Et ma grand-sœur a jugé. Il est tombé, il est mort. Jésus-Christ. Et il est mort. Il y a un homme qui est quitté dans l'eau. Il est grand, mais je ne voyais pas son visage. Il avait beaucoup de clés dans sa main. Et il est venu s'arrêter devant le serpent. Il a dit, ma grand-sœur lui a demandé, qui es-tu encore? Il dit, c'est moi et puis le serpent, nous travaillons dans votre village. Il dit donc qu'il est fatigué, que nos prières, là, ça les fatigue, qu'il est venu nous donner clés de nos villages. Il nous a... Acclamons pour Jésus-Christ. Il est venu, il avait plein de clés, il en avait deux clés dedans. C'était de jolies clés.
Et la, ma grande soeur a tendu la main. Il a mis la main dans ma grande soeur. Il dit, il est fatigué, il est fatigué. En partant, il dit, non, il a oublié. Je me prosterne devant vous. Je me prosterne. Il s'est mis en genoux. Quand il s'est mis en genoux, ma grande soeur l'a jugé. Au nom de Jésus, tu restes là. Il est mort à côté des serpents. On a traversé, on est parti. Arrivé dans le village, les gens nous attendaient comme si on était parti en mission. Ils étaient contents. Oh, vous avez délivré nos vies. Jésus-Christ. Ils étaient contents. Ils nous embrassaient, la famille Tizra et la famille Gorée. Ils ont commencé à nous embrasser, ils étaient contents, et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'il ne faisait pas nuit. J'ai dit, Seigneur, tu nous as délivrés, parce que c'est le matin que tu m'as montré. La nuit, j'ai dormi, tu m'as montré des choses. Tu m'as montré pour une soeur, ce qui était derrière elle, un frère, ce qui était derrière lui. Mais pour moi, tu m'as montré le matin. J'ai commencé à bénir le Seigneur matin. J'ai dit ça à ma grande soeur. Elle était contente comme ça. Je lui ai dit merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré et ma famille, mon village. Jésus-Christ. Béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Moa Madeleine. Mon frère de cible, c'est Manzan Yao. Je suis dans la zone de Deux Plateaux à Gban. Amen. Je voulais dire merci au Seigneur de m'avoir délivré de la mort. Allez, j'ai deux témoignages. Le premier, le Seigneur m'a délivré de la mort. Et le deuxième, le Seigneur a délivré de mon petit frère du prison. Alléluia. C'était le mois de juin et dans notre assemblée, le dirigeant avait donné un moment de prière pour les renversements des principautés. Et je suis partie à la maison, j'ai commencé à prier, j'ai fait la liste des idoles de ma famille et le Seigneur a ouvert mes yeux sur l'adoration des jumeaux, alléluia, parce que dans ma famille maternelle, c'est les jumeaux. Et ma grand-mère faisait ça, je voyais, mais je ne considérais pas que c'est une adoration. Et le Seigneur a ouvert mes yeux pour que je puisse renverser cela. Et j'ai pris l'autorité, je priais, le Seigneur a ouvert mes yeux. Et je voyais un arbre qui a quatre branches. Et au milieu des branches là, il y a un canari. Et j'ai commencé à juger et... La branche est fondue en deux et le canari est cassé. Alléluia. Et quand j'ai fini, deux jours après, je fais un songe, j'étais au village. Dans la cour familiale, j'ai une nièce qui était jumelle, elle s'appelle Nda. Et elle est venue, elle est en train de servir des boissons. Et quand elle est arrivée à mon côté, elle dit, la tante, tiens, jus d'orange. Je dis, c'est quel jus d'orange, ça? Et elle m'a servi. Et quand j'ai pris, je dis, je sanctifie par le sang de Jésus. Elle dit, touche toi, tu pries dessus. Et quand j'ai mis dans ma bouche, j'ai versé ça, je n'ai pas avalé. Et dans son, j'ai toussé. Quand j'ai toussé, la toux m'a réveillée. Et je sentais qu'il y a quelque chose dans ma gorge. J'ai imposé ma main et j'ai ordonné cette chose de sortir. Et j'ai commencé à rendre la nuit. J'ai vomi. Et le matin, j'étais fatiguée. Et j'ai dit au Seigneur, tu as dit, vous imposerons les mêmes. J'ai mis ma main, j'ai prié et tous les séquelles étaient finies. Alléluia. Trois jours après, dans mon songe, j'étais à la maison avec les enfants. Ils étaient à côté de balançoire. J'étais assis là. Et je voyais un homme grand de taille, bien costaud, et il a pris quelque chose pour voiler sa figure. On voit que ses yeux et sa bouche. Le monsieur venait, et à quelque chose de 30 mètres, il s'est arrêté. Et puis il a tourné le dos, il demande, c'est qui même, vous m'envoyez vers qui même?
On a dit de venir, non, viens vers toi-même. Et puis j'ai entendu une voix. La voix que j'ai entendue, c'est la voix de ma nièce qui m'avait donné à boire. Et elle dit, la voilà assise là-bas. Quand elle a dit ça, le gars a s'est tourné. Il dit, si je savais que c'est elle-là, je n'allais pas venir. Je vous dis toujours, ne m'envoyez pas chez celle-là. Je vous dis ça, ne m'envoyez pas chez celle-là. C'est ça, j'ai dit, qui t'a envoyé? Il dit, bah, c'est pas ceux qui sont là-bas. Je dis, va leur dire que ce qui est en moi est plus grand que toi, que j'ai Jésus en moi. Quand j'ai dit ça, il s'est retourné, étant furieux contre la personne qui l'a envoyé. Ça disputait, il avait la confusion dans les camps. Alléluia. J'ai vu que le Seigneur m'a délivré de la mort parce qu'il venait me terminer. Parce que j'ai cassé les canaries, il venait me terminer. Mais le Seigneur n'a pas permis. Je lui dis merci. Et mon deuxième témoignage, c'était hier. On est venu à la prière. On a prié, jugé les idoles de la famille, faire tout, briser les prisons. Et quand je suis arrivé à la maison, on partait, le missionnaire dit, d'autres ont eu des visions, mais priez que le Seigneur vous donne des visions. Et c'était ma prière avant de dormir. Et à 4 heures du matin, je me suis levée, j'ai commencé à juger. Où il a dit, Seigneur, où on nous a mis, moi et ma famille, toute ma famille, où on nous a mis en prison, Seigneur, révèle-moi. Et quand j'ai dit ça, dans la prière, je me suis retrouvée au village, devant la maison de le papa de mon petit frère. Et je vois mon petit frère enchaîné, dans leur cour, il y a un mendier. Mon petit frère était enchaîné sur son mendier. Il avait des papiers à main, il tourne en rond, il ne peut même pas faire quelque part. Et j'ai ordonné que ce mur tombe et leur portail est cassé, le mur, leur clôture est tombée. Et j'ai dit à mon petit frère, sors. Et il ne peut pas venir, je vois la corde sur son pied. Je dis au nom de Jésus, que cette corde brise. Et quand c'est brisé, il s'est retiré. Il veut sortir. Il dit, va chercher tout ce qu'ils t'ont volé là. Va prendre et puis on va partir. Et son papa sort de la chambre. Il dit, ta grand-sœur t'a sauvé. Il dit ça à mon petit frère, ta grand-sœur t'a sauvé. Acclamons pour Jésus-Christ. Et quand il a dit ça, il a dit, bon, si je l'ai sauvé, donc tout ce qu'il a pris, tu as pris là. Et le vieux est parti dans la maison. C'est comme les valises, ça se souvient. Ça s'est souvent. Et mon petit frère a pris ce qui lui appartient. Et puis il avait sa fille, sa grande fille qui a travaillé, qui est à la retraite. Elle est devenue soula. Alléluia. Et la maman est venue prosse pour elle. Elle n'est plus pour ses enfants. Je bénis Dieu de l'avoir libérée. Parce que tout récemment, il était attaqué par les microbes à bobo. Il a failli mourir. Alléluia. Et Dieu l'a libérée. Je bénis son nom. Je lui rends toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Inès Adia et j'ai professeur de disciple le pasteur Mathias Daté. Il faut dire que je suis convertie depuis décembre, mais j'ai un grand problème, c'est la paresse. Je bénis le Seigneur qui m'a aidée et qui m'a délivrée de la désobéissance planifiée. En fait, je suis issue d'une famille qui est de l'aile radicale catholique. J'avais un oncle évêque chez lequel j'ai passé du temps, j'ai eu mon bac. J'ai un frère qui est prêtre et une tante qui est religieuse. Donc c'est vraiment radical catholique. Et au début du mois dernier, il y a un des pères de son diocèse, un des prêtres qu'il a ordonné, qui m'avait sollicité. En fait, il y avait une chapelle dans son village et mon oncle avait fait les démarches depuis Rome pour que les subventions viennent et qu'on construise une nouvelle église. Donc, comme mon oncle est décédé, il a demandé à ce qu'un membre de la famille vienne pour la bénédiction de l'église. Et ça tombait ce samedi-là. Donc, aujourd'hui, je devais être censée être à Tanda dans ce village-là. Et j'ai rencontré la sœur Marilyn ici le mercredi. Quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, j'avais déjà confirmé et tout.
elle m'a dit, je préfère que tu en parles à ton faiseur de disciples parce que ça m'étonnerait qu'il accepte que tu effectues le voyage. Bon, comme je le dis, je ne suis pas très assidue et puis je ne venais pas trop, donc je ne savais même pas qu'il y avait le programme. Je suis une grande gagnante en fait. Et la journée d'hier, je confirme avec le prêtre et ensuite j'appelle mon faiseur de disciples qui me dit que... Il me demande la raison pour laquelle je veux effectuer le voyage, alors qu'il y a le programme. Je lui dis non, mais j'ai déjà confirmé, j'ai donné ma parole. Il dit, il m'a déconseillé de partir. Quand il m'a déconseillé de partir, sincèrement, j'étais très triste, beaucoup triste, parce que je voulais voyager, je voulais partir. J'ai donné comme explication, je vais suivre le programme, je vais rompre à 20 heures. S'il le faut, je vais appeler un frère qui mettra le téléphone sur haut-parleur pour que je suive la prière. Tout ça pour me réconforter. Et pendant la prière, lorsque le pasteur était en train de prier, il nous a dit, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que je ne parte pas, il faut me donner un signe. Et je sors de la croisade, de la prière, je connecte mon téléphone, je vois 5 appels en absence. C'est le père qui m'appelait. Dès que j'ai eu je suis rentrée en communication avec lui, tout ce qu'il a eu à me dire, c'est Inès, je m'excuse, je te présente sincèrement mes excuses, mais demain je vais partir seule. Gloire à Dieu. En fait, Je profite de l'occasion pour dire aux frères et sœurs qu'il faut que nous soyons obéissants parce que depuis le lundi, le pasteur ne fait qu'insister dessus pour dire qu'il faut qu'on obéisse. Et moi, le Seigneur m'a sauvée de la désobéissance parce que je ne sais pas ce que je serais devenue ou qu'est-ce qui serait advenu si j'avais désobéi. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Hier également, hier nuit, c'est vrai que depuis 20 ans, je souffre d'une gastrite et je suis accro aux médicaments. Bon, les antalgiques qui ont une formule de morphine, il est difficile de s'en débarrasser. Et moi, j'étais accro à ce médicament-là, de sorte à ce que ça induit mon comportement. Si je ne prends pas ce médicament, je ne m'endors pas. Je souffrais d'une insomnie. Et hier, avant de dormir, j'ai dit au Seigneur que je veux dormir sans prendre ces médicaments-là. Je vais être délivrée de la prise de ces médicaments-là. Et hier, j'ai dormi comme un bébé, de sorte à ce que je n'ai même pas pu me réveiller pour prier le matin. Donc, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu parce que je sais que je suis déjà exaucée. Je suis déjà exaucée. Comme le pasteur Meunier l'a dit, même si je n'ai rien vu, même si je n'ai pas de vision, je sais que je suis exaucé. Amen. Jésus-Christ. Je suis le frère d'Agopris. J'ai pour faiseur de disciples le frère Attaquevin. Le frère de soeur, le diable, c'est un menteur. Il ne voulait pas qu'aujourd'hui je sois délivré. Comme je suis un courageux en tant que chrétien, le Seigneur a permis que j'aille à l'université et que je fasse un petit gombo les soirs. À quelque part, aujourd'hui, je me suis réveillé tout fatigué. Je ne pouvais même pas gêner même. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit non, aujourd'hui là, je ne vais pas gêner. Et bizarrement, là où je travaille, le livreur de pain est venu, il m'a donné un pain. J'ai dit, ah, ça va, ça. Le diable, c'est un menteur. Donc, j'ai pris le pain, j'ai mis le pain dans mon sac. J'ai dit non, avant de manger, je vais demander à mon faiseur de disciples d'abord. C'est qui me dit ce qu'il doit faire. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Donc, je suis arrivé au campus. Quand il s'est arrivé, je l'ai appelé. J'ai dit, papa, est-ce qu'il est là? Le frère Kevin. Il est petit comme ça, mais il est mon faiseur et disciple. Voilà. Acclamons pour Jésus-Christ. Je l'appelle papa, je l'appelle. Et je l'appelle papa. Je dis, papa, voici mon problème. Je suis fatigué. Où est-il? Il dit, le diable. Il est. Le batteur.
Non, non, c'est pas lui, l'autre batteur, il n'est pas là. Ok, ok, il n'est pas là. Donc, il dit, le diable, c'est un menteur. Mon fils, faut gêner. Il dit, ah, gloire à Dieu. Et j'ai continué dans le jeûne. J'ai continué, j'étais avec une soeur Barbara, on était en classe. Le professeur est arrivé. Je veux, chose, comment dirais-je, ouvrir mon sac pour prendre, comment dirais-je, mon cahier, je vois le pain. Oh! Je vois le pain. Donc, tout souriant, je prends le pain, je regarde le pain, ça ne me dit absolument rien. Acclamons pour Jésus-Christ. Et je dis à ma soeur, la soeur Barbara, de donner le pain à celui qui est à côté là. Et elle prend le pain, elle donne ça à celui qui est à côté. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il a permis que je sois délivré aujourd'hui. Alléluia! Gloire à Jésus! Je suis l'ancien Akabrou, je suis disciple de l'ancien Mian. J'ai deux courts témoignages pour glorifier le nom de notre Seigneur. Le mercredi matin, à 6h30, je me suis rendu dans la douche pour prendre mon bain et aller au travail. Et quand j'ai fini de me laver, je suis en train de me suyer. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Une force m'a soulevé de terre et je voyais ma tête qui allait tout droit sur le robinet. Et je luttais. Quand j'ai voulu crier, c'est mon appareil dentaire, ma bouche, mes dents, qui ont frappé le rebord. Et je suis retombé en arrière. Vraiment, je gémissais parce que les enfants sont là et je venais de me laver. Alléluia! Je ne pouvais pas crier au secours. Alléluia! Acclamons pour Jésus-Christ. Et je disais au Seigneur, je suis en vie, Seigneur, merci, merci, merci. Alléluia! Et vraiment, j'étais pleine de sang. Et Dieu a permis que quand je me suis réveillé vers 15 minutes après, j'ai pu nettoyer le sang, tout. Et j'ai appelé mon faiseur. Vraiment, les frères se sont mobilisés. Et j'ai été accompagné à l'hôpital. Je suis parti à l'hôpital. J'ai fait une radio qui a montré que les deux dents sont fracturées. C'est-à-dire que quand tu vois pas, mais la racine est carrément détruite. Et ça pend, ça bouge. Et les dents d'en bas également ont été touchées. Elles aussi, elles ont quitté leurs orbites. Alléluia! Et j'ai dit, j'irai au renversement des principautés. Acclamons pour Jésus-Christ. Le mercredi, vraiment, la lèvre était vraiment, c'était, le médecin m'a dit, il ne faut pas te présenter au public parce que ça ne sera pas bien. Alléluia! Et donc, le mercredi, je n'étais pas là. Mais hier, jeudi, et aujourd'hui, je suis là. Je veux dire merci au Seigneur parce que je connais la capacité de nuisance des lavabos. Il tranche comme une hache. Aux urgences, j'ai eu deux blessés. Du lavabo, je ne croyais pas. Je me suis dit, mais c'est une machette, une hache qui t'a tailladé. Il dit, c'est le lavabo. Et je dis, merci au Seigneur qui m'a protégé de cet accident tragique. Et je suis là, je rends toute la gloire au Seigneur. Amen! Amen! Mon deuxième témoignage, c'est relatif à une idole. Mon fils, mon grand-fils, est entré à la maison, ça fait au moins 3 mois,
avec un chiot. Et je leur ai dit, mais moi je ne veux pas avoir de chiot dans ma maison. Mais tous les enfants, oh non papa, nous on va s'occuper, on va s'en occuper. Il dit, si il défait quelque part que je vois, vous aurez affaire à moi. Il dit, non, on va essuyer. Et finalement, on a laissé le chiot. Et bizarrement, moi-même qui disais au début, je ne voulais plus voir le chiot, c'est moi qui le nourris. Quand je viens, il vient m'accueillir, je le pouponne, on est ensemble, il joue avec moi. Et hier, on a vraiment, quand on a prié contre les idoles, on a remué Satan. Je suis allé, je fais un songe dans lequel vraiment j'étais comme dans mon foyer à moi et je vois ma femme avec un autre homme. Et j'ai dit, mais toi, qui es-tu? Et vraiment, notre bataille a commencé. On s'est battu. Il dit, tu m'as frappé. Tu peux me frapper, hein, mais moi, mon palabre, c'est jusqu'à la mort. Et vraiment, j'étais épuisé. Et j'ai dit à la femme, mais prends-le et puis allez-y. Elle dit, tu me dois. Il dit, moi, je ne te dois pas. Je ne me souviens même pas que j'ai pris une dette avec toi. Elle dit, si tu me dois 525. Si tu signes une reconnaissance de dette, on s'en va. Et comme je voulais la paix, j'ai signé la reconnaissance. J'ai dit, allez-y. Ils sont sortis. Quand je me suis réveillé, j'étais triste. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Et Dieu, dans sa grâce, va me révéler que mon grand-père s'appelle Tigori. C'est un nom qui est adoré avec le chien. Et vraiment, il y a une jalousie vraiment féroce. Et lui-même, il n'est plus de ce monde. Il avait commis un homicide volontaire à cause de sa femme, à cause de la jalousie. Alléluia. Et le Seigneur me dit, le chien. Tu pries pour jalousie, pour célibat, le chien. Alléluia. Donc, je me suis séparé, j'ai fait un brisement des liens. Là, systématiquement, je suis séparé de tout. Et vers 3 heures, je suis allé voir mon fils. Il dit, le chiot, demain matin, dès 6 heures, il disparaît de la cour. Alléluia. Jésus-Christ. Je les ai sentis tristes. J'ai dit, moi-même, j'ai mal, mais on ne va pas le laisser ici. Et je leur ai expliqué un peu de ce que ça peut faire. Donc, le matin, aujourd'hui, à 6 heures, le chiot est parti d'où il est venu. Alléluia! On l'a levé de la maison. J'ai fait laver. Moi-même, j'ai lavé. Je n'ai pas dit quelqu'un. J'ai lavé toute la maison avec Omo. Pour lui dire que c'est fini. Je vais dire infiniment merci au Seigneur. Parce que cette colère, vous me voyez calme. Mais si tu m'énerves, j'ai perdu beaucoup de situations où c'est à cause de la nervosité. Alléluia. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a délivré. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur. Et je rends toute la gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Salam Bintou. Mon frère de disciples, c'est Maman Ado. On l'appelle Ado Ariette. Je voulais dire merci à Dieu qui a libéré mon petit-fils hier. Quand on disait de chasser le démon et le Satan, je me suis arrêtée, je suis fatiguée. J'ai dit, je voulais m'asseoir un peu. Et j'ai vu petit panier qui était à côté de moi avec œuf noir dedans. Quand j'ai dit, tu es brisé au nom de Jésus-Christ, je vois que c'est mon petit-fils qui sort, qui me dit, mais je suis guéri. Acclamons pour Jésus-Christ.
un taxi en allant, sa maman m'a appelé, elle au Burkina, que l'enfant était étouffé, il ne mange pas, il ne peut pas boire de l'eau. Que Mac André s'est levé qui veut manger. J'ai dit gloire à Dieu. Ce matin, j'ai appelé, elle, il est guéri totalement même. Il mange, il me parle. Je vais rendre toute la gloire à notre Jésus-Christ qui a guéri mon petit-fils. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Yurufoué Léonore, disciple de la sœur Colette Mengué. Je voulais dire merci à Dieu qui... D'abord, deux témoignages. Je veux dire merci à Dieu qui, depuis le mercredi, a fait de moi inspecteur général de l'éducation nationale. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et mon deuxième témoignage, je veux dire merci à Dieu qui m'a délivré d'une principauté qui était un démon de mari de nuit. Et ce démon m'a tourmenté. Depuis le brisement des liens, depuis 2001, chaque fois on chasse, il revient, chaque fois on chasse, il revient. Et c'est ainsi qu'en mars 2016, mon mari devait rencontrer papa. Et je lui ai dit, si tu vas dire à papa qu'on continue de coucher un mois en rêve, il faut lui dire ça. Mon mari était, mais il a saisi. Il dit, il faut dire à papa que j'en continue de coucher un mois en rêve. Parce que même pendant la sieste, à tout moment, il venait. Et j'ai rencontré papa et je lui ai expliqué, il dit, papa, où tu me vois là? Quand je dors, quelqu'un vient coucher avec moi. Et quand je dors, je manipule des selles. Et depuis la Riviera, on m'arrache tout en songe. Mon sac à main, tout, on me vole. Et papa m'a regardé avec compassion. Il dit, oh ma fille, une vaillante comme toi. J'ai dit, oui papa, c'est mon cas. Et il m'a dit, allez-y, faites le renversement des principautés, allez supplier. Et on a supplié. Au troisième jour, il y a un être bizarre qui est sorti de moi. Il était comme un démon. Jésus-Christ. Il était comme un démon tout gluant. Et il m'a dit, j'ai été envoyé. Et je lui ai dit, par qui? Il dit, il a dit le nom d'un parent. Mais nous devons rendre gloire à Dieu. Amen. Il a dit, tant qu'il est en vie, tu n'auras pas la paix. Et je me suis réveillé. J'ai dit, mais nous, on ne prie pas contre les sorciers. Je ne peux pas prier contre un sorcier. Amen. Et c'est ainsi que ça a continué jusqu'à le 8 janvier 2016, 2017, en songe. J'ai fait un songe, j'ai piétiné la natte et je chantais en dioula, ni à la sonna, baby ben asso. Et je suis même venu partager aux frères. J'ai dit, ah, peut-être Dieu va délivrer la nation. Je ne savais pas que ça me concernait. Après, Dieu m'a dit, la principauté qui règne sur toi, là, moi l'éternel, je vais la renverser. Et gloire à Dieu! C'est ainsi qu'en janvier, selon la promesse de Dieu, un an jour après jour, le 19 janvier, je me retrouve en songe, encore avec le même mari. Et frère, il prend l'aspect de mon mari et je n'ai aucune puissance puisque j'aime mon mari. Je le vois et je me retrouve avec une hache. Je le tape, il dit c'est moi. Et j'abandonne, je ne peux pas tuer mon mari, j'abandonne. Après je vois un serpent et le serpent passait, je criais serpent, serpent. Et un jeune est sorti de nulle part avec une épée. Et il a tapé la tête du serpent, il a fixé le serpent au mur, à terre. Et je vois du coup un costaud, gaillard, comme mon époux. Et je me retrouve à une hache. Et je tape. Et il dit, c'est moi. Et je bloque. La voix me dit, continue. Je vois ce gaillard, je tape. Après, le feu sort de sa tête, je me retrouve à un éventail. Et je souffle pour qu'il brûle bien. Je souffle, je brûle. Amen. Jésus-Christ. Et pendant que je soufflais, je disais, pourquoi mon mari peut se transformer en serpent? Pourquoi mon mari, à cause de ce qu'il s'est transformé en serpent, il doit mourir. Et je tentais de proclamer, je me suis réveillé. Dès que je me suis réveillé, tapé mon mari, ah le vrai, cette fois-ci frère, le vrai Guiroufou Serge, je le tape. Je dis, Serge, j'ai tué mon mari. Il me regarde. Gloire à Dieu. Je lui dis, c'est, j'ai tué mon mari, tu n'as plus de rival. Bon, lui, tout ça bizarre. Il a pris son pain, il a bien dormi. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quand j'ai fini, je me réveille. Dieu me dit, tu viens de tuer la principauté qui règne sur ta vie.
Mais cette principauté, c'est la principauté qui tient toutes les filles de ton village en captivité. Va maintenant, je vais te donner la puissance de combattre l'agent humain qui réussit ta vie. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi que le 12 mai, il fait un songe. Dans le songe, puisque dans tous mes songes, cet homme sous forme de l'eau vient me barrer la route. Et l'eau est sortie de toutes parts. J'ai levé les yeux au ciel et le soleil dans toute sa clarté m'a illuminé. Dieu me dit, va faire la restitution. Va, cet homme ne peut plus rien te faire. En fait, c'était un parent qui m'avait élevé, que j'aimais. Parce que déjà à 12 ans, à 18 ans, il me mettait à l'aise. À 18 ans, j'avais ma chambre climatisée, tout. Il me dit, maintenant, va faire la restitution. Et je suis parti. J'ai expliqué à mon mari, ils sont partis. Expliqué à mon faisant des disciples. Elle dit, va. On est parti faire la restitution, frère. Une restitution qui m'a coûté la moitié de mon salaire. Et c'était fin mars 2018. Dieu me dit, tu viens de faire la restitution. Maintenant, il n'y a plus d'accusation au ciel contre toi. Je vais te donner la victoire. Amen. Et c'est ainsi que je fais un songe où je me retrouve dans la maison de ce cher parent. Et je lui dis, moi là, j'ai un seul mari. À la CMCI, on ne divorce pas. À la CMCI, je ne peux pas avoir deux maris. J'ai un seul mari. Et moi, je ne peux pas vivre avec un homme qui vit à un serpent. Parce que le serpent, c'est le diable. Je ne peux pas cohabiter avec Satan. Et je me suis réveillée. Et après, il fait un son, il me suit. Et quand il me suivait, dans le son, j'ai toujours peur de lui. Je n'ai aucune puissance. Mais il me suivait, il me retourne dans un coin. Et je le sentais venir. Et j'ai pensé, il dit, Seigneur, si je pouvais avoir un marteau, si je pouvais avoir un marteau, je tremblais, le gaillard venait. Je dis, si je pouvais avoir un marteau. Et du coup, je me retrouve à un marteau. Et lorsque j'ai vu la personne, je lui ai fracassé la tête. J'ai fracassé sa tête, j'ai fracassé sa nuque. Et je suis sorti. Dieu me dit, enfin, c'est ta délivrance. Frère, amen. Donc, depuis le 16 mai 2018, j'ai frappé l'agent humain, c'est-à-dire l'homme fort qui me tenait en captivité. Et le 18, le 20 mai, c'était ma victoire. Frère, les choses ont commencé à aller. Mon mari qui était au chômage depuis des années, frère, avant que l'ennemi se débrouille, mon mari était au port. Il était payé à 800 000, on était dans un village de 150 000. Mais ce mari, il a dit que comme je dis, je veux Jésus, que je ne veux plus de lui, moi je veux voir. Il nous a tout arraché, frère. On a connu l'opprobre, on a connu la souffrance. Mais depuis le premier jour, Dieu a tout rétabli. Dieu est en train de tout rétablir. Dieu est en train de tout rétablir. Amen. Dieu est en train de tout rétablir, frère. Au point qu'actuellement je parle, on n'a même pas encore le 15. Mon mari a trois propositions de travail, non des moindres. Et il me dit, ma chérie, je cherchais travail. Voilà trois propositions. Je fais quoi? Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Frère, il faut persévérer. Persévère. Jésus qui va te donner la victoire. 17 années de conversion. 17 années à combattre un géant. Mais Jésus qui l'a vaincu. Amen. Je vais bénir ce Dieu qui est fidèle et qui nous donne la victoire sur les hommes forts. Amen. Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Koné Nonsé Nina Fatim. J'ai pour faisant de disciples le pasteur Loès Esso Olivier. Amen. C'est que hier, après les nombreux sujets de prière élevés par le pasteur Meunier Boniface, il y a un esprit qui m'a parlé. C'était l'esprit de mort de la rivale de ma grand-mère maternelle. Amen. Elle m'a dit, je suis Fatou parce que je m'appelle Fatim. Alléluia. Mon papa a décidé de m'appeler Fatim, sinon c'est Fatou. C'est comme ça qu'on m'appelle au village, Fatou. Elle dit, je suis Fatou, l'esprit de mort. Et c'est moi qui te rendais palabreuse. Alléluia. C'est moi qui te rendais dur, comme un homme. Parce que selon les témoignages que j'ai entendus d'elle, c'était une femme très dure, comme un homme. Elle était très dure. Il faut dire que souvent les frères me disent que Fatim, tu marches comme un homme. Alléluia. Tu es Dieu, tu es trop Dieu. Il a dit oui, c'est ça. Je prenais l'exemple des femmes ici dans le ministère. Je pensais que c'était normal. Et elle me disait que c'est moi qui t'ont mené à te battre. Il faut dire que quand j'étais dans le monde, je me battais, frère. Aussi grand que tu sois, aussi
costaud que tu sois, avec les hommes, avec les femmes. Frère, je les frappais. Et après que je finisse, quand je finis de me battre comme ça, je me sentais misérable. J'ai pitié de la personne avec qui je me suis battue. Amen. Et vraiment, l'esprit de mort m'a laissé hier. Elle m'a dit, le Dieu que tu adores est fort. Je m'en vais. Je ne peux plus rester. Acclamons pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et la dernière chose, c'est que l'Éternel a été bon envers moi. Dans ma famille paternelle, personne n'a pris un avion. Alléluia. Personne n'est monté dans un avion. Ça n'existe pas. Le chômage. Vraiment, ma famille paternelle, nous sommes, les gens sont misérables. Mes oncles sont misérables. Frère, ça fait maintenant un mois. Le Seigneur a permis qu'on m'appelle pour me dire que je vais au Cameroun. Alléluia. Jésus-Christ. Frère, je vais au camp mondial de la jeunesse. Gloire à Dieu. Et frère, je vais partir en avion. Gloire à Dieu. Amen. Frère. Acclamons pour Jésus-Christ. Je regardais la télévision une fois. Je regardais le camp biblique 2016. Je voyais mon faisait le disciple, le pasteur Loès, avec le pasteur Eli, il dansait. Je disais certainement dans 5 ans, quand je vais travailler, je vais économiser. Et je vais partir à Koumé. Gloire à Dieu. Cette année-là même, je soupirais dans mon esprit. Je dis dans 5 ans, Koumé, nous tous, on va partir là-bas. Gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a surpris. Frère, le 30 juillet de ce mois, je rentrerai dans un avion. Et je vais atterrir. Alléluia. Je n'ai même pas payé 6 francs. Le Seigneur a été pourvoyeur. Le Seigneur m'a surpris. Le Seigneur a exagéré. Alléluia. J'aimerais donc dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je m'appelle Kofi Emmanuel, disciple de l'ancien Germain de Gonzac. Je viens de Bingerville. J'adore dans l'assemblée qui est chez moi. Le témoignage est pour honorer le Seigneur de Jésus. Je devrais être humilié, être même au comble de l'humiliation, mais le Seigneur m'a délivré. Voilà comment. J'étais un suisseur et en 99, je vais finir avec l'enseignement comme on nous a demandé de faire 30 ans. Mes amis, mes promotionnaires ont eu leur salaire radié au mois de septembre par la fonction publique. Mais moi, je n'en avais pas eu. Et mon salaire coulait. Octobre, novembre, janvier. Donc j'étais encore à l'activité, je travaillais. Mais en janvier, j'ai travaillé le mois de janvier. À la fin, je vais, il n'y avait rien pour moi. Après la recherche, on me dit qu'on m'a mis à la retraite le 31 décembre 1999. Je dis, mais pourquoi ça? Mes autres amis, mes autres camarades ont été radiés en septembre 99, pourquoi pour moi, vous m'avez laissé jusqu'à... Je lui ai dit non, tu as enseigné à partir de 17 ans. On t'a laissé les 3 mois pour que tu aies les 18 ans. C'est pourquoi on t'a laissé. J'étais dans une maison et il fallait payer le loyer. Quand je suis allé prendre l'information, je suis allé à la fonction publique pour retirer ma radiation. Je suis allé prendre le CCP, certificat de cessation de paiement. Je suis allé montrer à celui qui gère les maisons que je loue. Je lui ai expliqué, voilà la situation. Les dossiers étant déjà constitués, je vais me mettre au travail et bientôt je vais te payer de l'argent. Il n'a pas compris. Et le mois de février,
le mois de mars, à la fin du mois, il a engagé une procédure d'expulsion. Il va glorifier le Seigneur. Il va glorifier le Seigneur. Et j'étais là, l'a fait passer en avril 2000. En avril, on m'envoie un exploit d'huissier me contraignant à comparaître pas devant le tribunal pour être devant le juge des référés en expulsion. Je vous dis ce jour-là, tous ceux qui étaient partis avec moi au tribunal et qui ont eu ce dossier, ils ont tous eu le diplôme de partir de leur maison, oui. La femme dit oui pour l'expulsion, oui pour l'expulsion, oui, quelle que soit leur explication. Donc, mon tour était venu. Je me suis mis à la barre. Lorsque je devais prendre la parole, parmi les auxiliaires qui étaient là, il y a un qui lève le bras. Et toi, madame, s'il vous plaît, c'est une dame qui jugeait. Madame, s'il vous plaît. Il regarde le monsieur, il dit, je demande le report pour ce monsieur, c'est mon client. Donnez-moi le temps de le défendre. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Et je n'ai jamais engagé un conseiller juridique pour ma défense. J'ai fait 3 mois sans salaire. J'avais alors réuni toutes les conditions pour être dans un état d'invalidité, d'insolvabilité indiscutable. Comment puis-je me permettre d'aller louer les services d'un avocat? Donc, je n'étais pas un avocat. Le Seigneur, voyant la situation préoccupante, s'est saisi de la nécessité absolue d'envoyer un ange pour décanter la situation. Ainsi, la femme me regarde. Monsieur, à présent, vous pouvez partir jusqu'à nouvel ordre. Oui, pour le report. Donc, vous pouvez aller jusqu'à nouvel ordre. Or, le report qui a été demandé a un non-dit. Le Seigneur voulait que le dossier fût classé sans suite. Et c'est ce qui a été fait. En effet, depuis avril 2004 jusqu'à ce jour, je n'ai reçu aucun espoir d'un huissier me demandant de comparer par devant le tribunal des juges de référés en expulsion. Mon dossier était en coma lorsque on lui a dit de laisser. Et à présent, je puis affirmer que le dossier est mort. Jésus ne s'est pas resté là. Il ne s'est pas arrêté là. Le même jour où j'ai quitté le tribunal, j'ai eu l'idée de descendre vers la Segraillée. Je vais pour voir dans quel état était mon dossier. De bureau en bureau, je suis arrivé à la fin, me dit, monsieur, votre dossier est traité, que la pension est disponible. Je tremblais comme ça, je dis, ben, c'est combien? Il m'a regardé, il y a près de 1 500 000, tu as 1 486 000. Venez demain matin, le monsieur, le responsable va vous délivrer un chèque pour aller toucher à la BNI. Mais comme demain, ce n'est pas ouvrable, voilà cette carte. Demain, quand tu arrives, tu donnes au vigile, ils vont te laisser entrer. Je vous dis, j'étais léger, j'ai commencé à grossir. Je suis allé à la maison. Et cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
les idées fourmillaient dans l'esprit et roulaient à une vive vitesse sur l'autoroute de ma pensée. Le lendemain, je suis allé retirer le chèque. Et la première chose que j'avais à faire, c'était d'aller honorer ma dette. Je suis allé, j'ai trouvé 3 personnes. Celui qui gérait la maison était un huissier. Je suis arrivé, j'ai ouvert mon enveloppe, j'ai payé l'argent. 35 000 francs, 3 fois, ça fait 105 000. Et j'ai anticipé le mois de d'avril qui n'était pas achevé. Quand j'ai donné l'argent, il y a un monsieur qui a dit, voilà, je ne t'ai pas dit de ne pas déranger ce monsieur. Il nous a présenté les papiers. Il dit qu'il a engagé son dossier pour toucher la pension. Je t'ai dit de ne pas l'engager parmi les faux payeurs. Voici, il vient de payer. Il a en payé un mois avant la fin. Est-ce que les autres font ça? Ça a discuté entre eux. Je dis, Seigneur, merci. Je bénis le Seigneur qui a suscité son ange pour me délivrer de cette situation. Je n'avais pas d'argent. Si on me renvoyait, où je vais aller sans pouvoir payer de caution? Le comble du malheur. Mais le Seigneur m'a délivré. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Amélie Chimou. J'ai pour faiseur de disciples le pasteur Gilbert Dossé. J'adore à Bobo. Hier, aux environs de 4 heures du matin, quand j'ai fini de méditer et de prier pour ma famille, j'étais couchée. Je n'arrivais pas à dormir. Jusqu'à 6 heures du matin, mon portable sonne. Et j'ai vu le numéro, c'est le numéro de ma petite soeur qui est en France. Elle m'a appelé, elle dit Amélie, j'ai dit oui. Amélie, j'ai dit oui. Elle dit Amélie, mon bébé ne bouge pas. Amélie, mon bébé ne bouge pas. Je me suis souvenu de ce que le pasteur a dit, que nous sommes des sacrificateurs. Et j'ai pris la position des sacrificateurs. Et j'ai déclaré au nom de Jésus que l'enfant qui est dans le ventre de ma petite soeur bouge au nom de Jésus. J'ai proclamé la résurrection du Christ dans cet enfant, dans le sein de ma petite soeur. Alléluia. Amen. Et après cela, je lui ai dit qu'il faut partir à l'hôpital. Frère, sur la route de l'hôpital, l'enfant a commencé à bouger. L'enfant a commencé à bouger. L'enfant a commencé à bouger et ils sont partis à l'hôpital. On dit non qu'il n'y a rien, que l'enfant se porte bien. Je vais lui rendre toute la gloire à ce Dieu qui est si merveilleux. Je vais lui rendre toute l'élévation, que l'honneur, la gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Combé Franck Boris. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Barnabé de Benjerville. Gloire à Dieu. Je voudrais être infiniment reconnaissant au Seigneur qui roule l'opprobre. Alléluia. Frère, en 2014 et 2015, il y avait une pauvreté palpable dans nos familles, dans ma famille. Jusqu'à la maison, il n'y avait même pas de siège où s'asseoir. Il y avait des tabourets et des bancs. Mais le Seigneur a permis qu'en 2016, je donne ma vie à Jésus pour me positionner en sacrificateur, pour intercéder pour ma famille. Amen. Et nous avons commencé le renversement des principautés l'année passée, et l'année en 2016 et en 2017. Et le Seigneur a permis que dans ma famille, il y ait désormais des fauteuils pour s'asseoir. Alléluia. Jésus-Christ. Et mon père avait une moto. Frère, cette moto-là ne pouvait pas lui permettre de faire quelque chose parce que c'était déjà gâté. Mais Dieu a permis que quelqu'un, le maire de la commune de Ischia, lui achète une nouvelle moto gratuitement. Alléluia. Et il n'y avait pas de mariage dans la famille. Et le Seigneur a permis que cette année, ma grande sœur se marie. Alléluia.
Et Dieu a permis de même que cette année, ma grande sœur qui ne faisait rien ait une clinique en son nom. Alléluia. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur. Je lui dis infiniment merci. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Désirée Gauthier, disciple du pasteur Elie Goji. J'adore la Riviera 3. Je veux dire merci au Seigneur parce que hier, il a guéri mon fils d'un mal de ventre. En effet, depuis qu'il a 3 ans, ce mal vraiment nous fatigue. Chaque fois que ça vient, on est hospitalisé au moins pour 5 jours avec beaucoup de dépenses. Mais notre Dieu combat pour nous. Hier, quand j'ai fini de rendre mon témoignage, je suis descendue et au moment de m'asseoir, mon téléphone vibrait dans mon sac. Je regarde, c'est un appel de ma mère, donc je suis allée décrocher. Dès que j'ai décroché, elle a commencé à crier. Tu es où? Depuis on t'appelle, ton fils a mal au ventre, il se tord de partout. Il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas se lever. Et quand elle parlait, j'entendais la voix de mon fils derrière. Vraiment, c'était des cris atroces. Elle m'a raccroché au nez. Je ne savais pas quoi faire. Je suis venue à ma place et j'ai vu ma maman de notre assemblée. Et je lui ai expliqué, elle m'a dit, tu ne bouges pas, va en parler à ton faiseur de disciples. Et j'ai approché mon faiseur qui m'a dit, quand je lui ai expliqué, il m'a dit, on va prier. On a prié, il m'a dit, appelle ta maman, qu'elle passe le téléphone à l'enfant, nous allons prier. Nous avons prié, frère, jugé l'esprit de la maladie, chassé la maladie. Et quand on a fini, on n'avait même pas encore fini, le téléphone s'est coupé, la communication s'est coupée. Il m'a dit, on continue. On a prié. Dès qu'on a fini, il m'a dit, sois dans le repos, ma fille. Va t'asseoir. Je suis venue m'asseoir. Frère, ton enfant est malade. Tes idées vont partir un peu là-bas quand même. Pendant 2 minutes, ça m'a fait. Et après, je me suis ressaisie. J'ai commencé à écouter mes amis témoigner, mes frères témoigner. 45 minutes après, j'appelle pour prendre des nouvelles. J'ai dit, maman, comment Paul Emmanuel se porte? Elle me dit, vous avez prié. Je lui ai demandé, il me dit, maman, mémé, je n'ai plus mal au ventre, je suis guéri. Dieu a guéri l'enfant instantanément. Vraiment, l'ennemi, les principautés de ma famille s'étaient levées, s'étaient organisées contre moi. Pensant que quand ils allaient s'attaquer à mon fils, j'allais trembler, j'allais partir. Mais je suis un enfant de la CMCI, un enfant de Dieu. À la CMCI, un enfant de Dieu ne tremble pas. Quand il y a un combat, il prie. Et c'est l'Éternel qui met le combat à sa place. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Et l'Éternel a combattu. Et je peux dire en proclamant que les principautés de ma famille sont tombées. Ils ont échoué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ma famille, quand je les exhorte, je leur dis, abandonnons tout, revenons à Dieu. Mais votre Dieu qui est là-bas, là, il ment. Venez à la CMCI. Ils m'ont dit, va. Quand Dieu va changer ta situation, nous allons te suivre. Frère, Dieu a commencé à leur rendre ministère. Et je suis convaincu que tous les membres de ma famille viendront et se donneront à Dieu. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Mon nom, c'est Dongo Kosia Clarisse. J'ai pour faiseur de disciples pasteur Mathias. J'adore au temple. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré d'un esprit de mort. L'esprit de mort de ma grand-mère. J'ai fait 2 fois le brisement de lien, mais l'esprit de mort de ma grand-mère continuait de venir dans mes songes. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir le songe qui m'a délivré. Je l'ai vu en songe, et quand elle vient, après mon brisement, quand elle vient, je la vois de loin. Mais dans mon intuition, je savais que c'était elle. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait 2 fois le brisement des liens. Je me suis séparée d'elle, mais continue de venir encore dans mes songes. Et quelques minutes après, le Seigneur parlait. Le Seigneur m'a dit, il y a quelque chose. J'ai demandé au Seigneur, il y a quelque chose ?
Je me suis séparée d'elle. Et le Seigneur m'a dit, tu lui as donné des mèches. Des mèches que tu t'es tissées avec, avant de lui donner. Et c'est à cause de ça qu'elle continuait de venir dans mes songes. Et je me suis séparée. Quand je me suis réveillée, j'ai fait encore mon brisement des liens, des mèches, plus l'esprit de mort de ma grand-mère. Je vais dire merci au Seigneur, parce que ça fait 12 ans maintenant que je lui avais remis les mèches. J'avais complètement oublié. Sans le Seigneur, je ne pouvais pas me souvenir de cela. Et le Seigneur, dans sa grâce, m'a révélé cela. Donc, je vais lui dire infiniment merci pour cette révélation qui m'a délivrée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère d'Annonzier, j'ai professeur, pasteur Issou Louès Olivier. Il faut dire que je suis né d'un père de trois femmes et je suis le second fils de la troisième. Le père a tout fait, il a mis ses enfants à l'école, c'était seulement que l'échec total. Frère, en 2005, quand j'ai eu le BPC, en février 2006, c'est 1000 pattes qui m'a mordu ici. Et puis, ce n'est pas en brousse, dans la chambre. J'ai fait 8 mois de palud, Dieu a fait que je ne suis pas mort. Et c'est comme ça, je suis arrivé au bac. J'ai fait l'échec en 2009. Départ volontaire à cause de la santé du père, je suis retourné au village. Malheureusement, il est mort en 2012. J'ai fait 8 ans en brousse au village. Et j'ai dit à Dieu, c'est à cause de la santé de mon père que je suis venu ici. Mais je n'ai pas abandonné mes études. En 2015, j'ai posé candidat libre. Je n'ai pas étudié. Je suis allé, j'ai échoué seulement qu'à 0,25 points. J'ai dit, ouais, Seigneur, si je n'ai pas étudié, que j'ai échoué à 0,25 points, en 2016, oui, je vis avec une femme, j'ai mes 5 filles, je vais accompagner les enfants à l'école et moi-même, je vais aller à l'école. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça, en 2016, j'ai pris mon sac. Mes propres frères, les poulets se sont moqués de moi. Même les canards, ils se sont soulevés contre moi pour dire, lui là, c'est maintenant il voit jour. C'est maintenant il fait jour chez lui. C'est maintenant il veut aller à l'école. Frère, en 2016, je sais que j'avais affaire vraiment avec un collège. J'ai demandé à Dieu, je veux élever, glorifier ton nom avec le bac. La composition de bac de 2 semaines, j'ai pris seulement que 9 jours dedans, jeûne sec, sans manger, sans boire. Oral, 3 jours secs. Écrit, 3 jours secs. Délibération, 3 jours secs. Gloire à Dieu! Et c'est comme ça, c'était le 29 juillet 2016, à la veille, je fais un songe où on était alignés, ceux qui prenaient le bac. Le bac, il restait seulement sur la table, un seul bac. J'ai dit, ouais, ça c'est le bac de Danonzier. À ne pas discuter. Gloire à Dieu! Bien aimé, c'est là le début du combat. Ils m'ont attaqué. Et là, je souffre amèrement. Je m'en vais faire les examens, on dit, il n'y a rien. Je suis venu ici à Abidjan, croiser le pasteur Nathanaël. Il me prescrit des bulletins, je m'en vais. Il dit, il n'y a rien. Mais je vais, je pleure, je dis, pasteur, je souffre, frère. Il dit, mais c'est le diable, il veut toujours que tu dépenses. Il dit, mais pasteur, il se lève un jour dans son bureau, il dit, je ne te donne pas ordonnance. Il dit, pasteur, bon, tu donnes-moi ordonnance. Et puis c'est fini. Il dit, non, je ne prie pas pour toi. Et c'est bon. Frère, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la maison. Mais quand on a commencé l'enversement des principautés, j'ai dit, j'étais ici. À la descente, j'ai dit à Dieu, je ne suis pas malade. Mais je souffre là. Montre-moi ce qui provoque ça. Où j'ai mangé, peut-être, et ça provoquait tout ça. Le son de jeudi, vendredi, je me promenais avec mon frère. On m'a donné de la tchéquée. J'étais en position de jeûne, de renversement de prospérité. Il a donné ça à mon frère. Il dit, il faut manger. Il n'est pas encore l'heure pour moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la maison de mon grand frère. Il était l'heure maintenant de la rupture. Sa femme envoie du foutou qu'on appelle aloko soukoué, c'est-à-dire banane mûre. Foutu de banane mûre, à l'Okosoukoué. Gloire à Dieu!
Et c'est comme ça. Lui, il était assis avec sa femme. Je suis rentré au salon. Son dernier fils était là. J'ai rendu gloire, grâce à Dieu. Quand j'ai pris le, j'ai fait le premier coup pour envoyer ça dans ma bouche, je sentais que, comme s'il y avait un arrêt dans ma bouche. J'ai enlevé le couteau, j'ai mis ça dans ma paume et j'ai commencé à trier. J'enlève pointe, une nouvelle pointe numéro 3. J'ai dit à l'enfant, tu vois comment Dieu est bon. Je fouille encore une nouvelle pointe numéro 4. Je dis à l'enfant, tu vois comment Dieu est bon. Je fouille encore une nouvelle pointe numéro 5. Frère, j'ai commencé maintenant à éparpiller tout. Les pointes numéro 7, numéro 8 pliées. La rouille a pris les pointes. J'ai ramassé, j'ai rassemblé tout dans ma main et j'ai dit à l'enfant, tu vois, comment Jésus-Christ est bon. Ça, je mets ça ici, je m'en vais montrer ça à mes parents, à l'église. Je voyais que Dieu voulait, il venait à peine de me montrer l'origine de ce mal. Je voulais être infiniment reconnaissant. Je lui ai demandé, j'ai dit, quand je suis descendu, et à la même nuit, il m'a montré l'origine. Il a commencé, il va terminer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et après quoi, le bac, j'ai obtenu le bac. Gloire à Dieu. Je suis la sœur d'Anon Nelly. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Meunier Boniface. Dieu fait des choses incroyables. Il a fait ressurgir pour moi une photo sur Internet de classe où j'étais en CE1. 12 élèves à l'école de Foch à Blois, où j'avais 5 ans. On acclame le Seigneur. Et il a fait ressortir pour me montrer qu'il m'avait totalement guéri de mon passé. Alléluia. Et Dieu m'a délivré hier soir de l'esprit de mon père. Alléluia. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Non, de lundi à mardi, nous avons fait la première journée des croisades, de la croisade. Et j'ai prié pendant la nuit. Alléluia. Et quand j'ai eu fini de prier et méditer, je pensais aux œuvres sociales. Et je pensais à l'école. Alléluia. Et mon esprit est retourné vers la France. J'ai d'abord eu envie d'aller regarder sur Internet des écoles en construction. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai tapé école sur Internet. Et quand j'ai tapé ça, c'était des photos de classe qui sont sorties. Plein de photos de classe. Et mon cœur était parti en France. Et j'ai dit, mais... Hein, des photos comme ça. J'ai regardé les élèves, j'étais content. J'ai dit des photos. Mais peut-être que... Et si j'allais voir, quand on était à Blois, l'école. Et c'est comme ça que j'ai tapé. Je ne savais même plus le nom de l'école. Frère, j'ai tapé seulement. Il y avait plein de photos qui se sont affichées. Et dans ces photos, il y avait la photo de ma classe, 12 élèves, en 1968-1969. Et la petite Nelly était là. Alléluia. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu la photo, je me suis vue, j'ai eu une joie, une grande joie, une joie inexplicable. Moi non plus, je ne pouvais pas comprendre cette joie. J'étais heureuse, je me regardais, j'étais heureuse. Alléluia. Et frère, si c'était avant, je m'étais regardée, j'aurais repensé à tout mon passé. Et je me serais vue moche, mais je me suis vue comme une créature de Dieu merveilleuse. Alléluia. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que je n'ai pas du tout pensé à mes parents, à ma famille. Je me suis vue en tant que créature de Dieu. Je viens bénir le Seigneur. Et hier soir, Dieu m'a libérée, après la croisade, de l'esprit de mon Père. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Dion Yvonne. Mon père de disciple, c'est l'ancien toiliste.
Je veux dire merci à Dieu de m'avoir délivré aujourd'hui même matin des enfants spirituels. Faut dire qu'à chaque fois que je fais songe, j'ai toujours des enfants. Or, en réalité, je n'ai pas des enfants. Et une année, missionnaire a dit comme ça qu'on va se séparer des enfants spirituels. Et j'ai commencé à faire. Et aujourd'hui, matin, mon mari s'est réveillé et disait qu'il a fait des songes, qu'il est un peu troublé. Je lui ai dit qu'il faut prier, qu'il ne faut pas laisser le diable te distraire. Que moi-même, aujourd'hui, j'ai fait songe, j'ai vu un enfant encore. Or, hier nuit, j'ai prié pour me séparer des enfants spirituels. Et cet enfant a pris le visage d'un enfant de ma petite sœur. Donc, moi aussi, je ne vais pas me laisser faire. Je vais le chasser de ma vie. Donc, on va prier pour détruire toutes ces choses-là. Donc, on a commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a fait comprendre qu'une année, on faisait le renversement des principautés. Pendant ce temps, je n'étais pas encore mariée. Et le Seigneur m'a montré un homme avec qui je vivais et les enfants. Et il m'a dit que tu as vu pourquoi tu n'as pas envie de te marier. Et j'ai joué cet esprit. Et l'année qui a suivi, le Seigneur m'a fait grâce de me marier. Et j'ai compris que je me suis séparée de cet homme et c'est ces enfants-là qui me fatiguent encore. Et j'ai commencé à juger ces enfants-là, à les renverser, à juger à me séparer d'eux. Et du coup, je me suis retrouvée au bord de l'eau. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai pris, je pleure, je ne sais pas pourquoi je pleure, mais je pleure. J'ai commencé à prier à langue, je pleure, je pleure. Et un coup, je vois ces enfants-là qui sortent de gauche à droite. Je vois un homme qui est sorti de l'eau, et il a arrêté au bord de l'eau. Il avait un air triste, il me regardait, il a baissé sa tête. Et les enfants couraient vers lui. Les enfants couraient vers lui. Et ils sont partis entourer cet homme. Et je commençais à juger, je continuais. J'étais en colère contre eux. Et je vois les enfants se révéler, mais ils me font comme ça. Acclamons pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et je continuais, je continuais. Et je vois un monsieur qui est venu vers moi. Il m'a attrapé, il dit, allons, arrête de pleurer, tu es délivré. Arrête de pleurer, tu es délivré, allons. Et je commençais à partir avec lui. Et je voyais un enfant qui venait vers moi avec quelque chose dans sa main. Venu me donner, je ne voulais pas prendre. Et le monsieur me dit, il faut prendre, allons, tu as peur de quoi, tu es déjà délivré. Gloire à Dieu. Et je continue de pleurer. Et après, dans tout, je pleurais, je commençais à bénir le Seigneur, à bénir le Seigneur de m'avoir délivré. Et je me suis tué, je suis resté dans un moment de silence. Et j'entendais une voix qui me dit, va rendre témoignage que le Seigneur t'a délivré. Gloire à Dieu. Et je vais rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai proclamé que le renversement principauté prochaine, je vais venir montrer mes enfants ici. Et que l'on Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Adonis Brou Frédéric. Le témoignage que je vais rendre ne me concerne pas directement. Mais le Seigneur a sauvé un frère de Bongouanou de la mort. Hier, en revenant à Abidjan, j'ai assisté au culte d'adoration avec les frères de Bongouanou. Et le frère a rendu ce témoignage. Ce matin, le missionnaire numéro 2 et le frère en question m'a appelé pour être l'ambassadeur de l'église de Bongouanou pour rendre ce témoignage. Le frère en question s'appelle Nyambe Mathieu. Il était à Abidjan ici. Il travaillait. Et une nuit, il fait un songe. Il a été mordu par un serpent. Et le matin, il était couru au sol. Il ne pouvait pas marcher. Il a fait plusieurs années, 6 ans, dans cette maladie. Sa société a été obligée de le renvoyer. Et de la misère, de la souffrance, il a préféré retourner au village. Et quand il est arrivé à Bongouanou, il a croisé le missionnaire Yoroa. Il a reçu le vrai évangile de la repentance. Il a fait sa repentance, il a été baptisé. La semaine dernière, pendant ce moment, le frère ne pouvait pas marcher, hein, il ne pouvait pas marcher. Durant 6 ans, il ne marchait pas. La semaine dernière, il se lève le matin, il voit, il trouve un bouton sur le pied, sur la plante du pied. Lui, il a pensé que c'est un firon. Donc, il a mis baie de karité dessus et il a bandé. Le lendemain matin, il enlève la bande. Il voit
quelque chose est dedans comme une dent. Et il retire, c'est le croc du serpent. C'est le croc du serpent qui l'a mordu. Quand le frère a enlevé ça, je vous assure, il s'est levé, il a marché. Jésus-Christ. Il n'y a aucune adoration, il sautait même, il dansait. Moi-même, j'ai pris le croc là dans la main, j'ai regardé. Donc, je bénis vraiment le nom du Seigneur qui a sauvé ce frère de la mort. Amen. Je suis la sœur Nyamba Roseline, disciple du pasteur Thiadé Stéphane. Je vais être infiniment reconnaissante au Seigneur Jésus-Christ qui a renversé la principauté de mon village. Amen. Il faut dire que l'année dernière, j'étais ici lors du renversement des principautés sur invitation d'une sœur. Et le 29 août, lorsque nous prions ici, le pasteur Méni a demandé de prier pour séparer nos familles des malédictions, des coutumes et traditions. Et le verset de méditation sur lequel il s'appuyait disait que les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Amen. Il faut dire que lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai continué la prière et la nuit j'ai eu une vision. Dans cette vision, le prince satanique de mon village s'est levé pour troubler la population. Et tout le monde cherchait une solution pour le vaincre, mais il n'y arrivait pas. Et moi aussi, j'ai cherché à vaincre cet esprit-là en allant vers les frères de l'autre communauté à laquelle j'appartenais. Et ils m'ont tourné le dos carrément. Et le Seigneur qui me dit, mais on t'a donné la solution, on t'a donné le secret, donc partage-le avec les frères et tu pourras vaincre le démon. Il dit, ah, quel est ce secret? Il dit, tu l'as. Que ce secret, c'est la repentance et la sanctification. Alléluia. Et je dis au Seigneur, il dit, ah, mais dis-le aux pasteurs et aux autres prêtres qui sont en train de manifester onction, je ne sais pas moi, pour vaincre l'esprit. Il dit, non, c'est toi que j'ai envoyé, c'est toi que j'ai livré le secret, donc va le partager ce secret. Et je suis allée, j'ai interpellé les frères et ils ont prêté attention à ce que je disais. Il dit, ce prince-là, il a eu la force sur vous à cause du péché qui abonde au milieu de vous. Mais si vous vous repentez et que vous sanctifiez vos vies, vous aurez la victoire sur lui. Donc on va prier et on va demander pardon à Dieu et sanctifier nos corps. Et quand j'ai dit ça, ils ont obéi. Ils ont commencé à prier. Les jeunes gens même étaient plus zélés même que les vieillards. Après, j'ai regardé, les vieillards aussi se sont mis à prier aussi. Et pendant qu'on intercédait, moi je jugeais l'esprit. Et pendant que je jugeais l'esprit, il y a une force qui est descendue du ciel et a foudroyé le serpent. Et il est tombé. Faut dire que cet esprit-là, c'était un serpent, un énorme serpent. Et Dieu l'a foudroyé, il est tombé. Et on a poursuivi l'intercession. Après, je suis allée regarder où il est tombé. Je regarde, il s'est complètement affaissé. Et au réveil, j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai béni le nom de Dieu pour la victoire qu'il m'avait donnée lors de ce combat. Et le même jour, j'ai donné ma vie à Dieu, à la CMCI. On dit que le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Après la croisade, j'ai appelé au village. Parce que tous les premiers dimanches du mois de septembre, le village adore cet esprit. Et j'ai appelé ma mère. J'ai dit, ah, maman, est-ce que tu sais si cette année, ils ont adoré leur faux Dieu là? Elle dit, ah, tu sais que nous, on n'est pas dans la chose. Mais ton père qui va aux réunions du village est revenu avec la nouvelle comme quoi les vieillards se sont plaints que ça n'a pas marché, les adorations n'ont pas marché, que l'esprit ne s'est pas manifesté. L'esprit ne s'est pas manifesté. Donc, ils étaient tout tristes parce que l'esprit ne s'est pas manifesté. J'ai dit à maman, gloire à Dieu. Cet esprit ne s'est pas manifesté aujourd'hui et il ne se manifestera plus jamais. Parce que le Jésus-Christ que j'ai trouvé à la CMCI l'a vaincu totalement. Et le monde, nous avons glorifié le nom de Dieu. Et lorsque j'ai raccroché, j'ai prié, dit, Seigneur, vraiment, tu es présent à la CMCI. Pour la conquête de mon village, si tu pouvais permettre qu'il y ait une assemblée de la CMCI dans mon village, je serais vraiment ravi. Frère, après la croisade, le jeûne complet,
Vraiment, je suis allée au village et grande fut ma joie quand j'ai appris qu'il y a une assemblée de la CMCI dans mon village. Jésus-Christ. Et depuis lors, vraiment, il y a des familles qui sont en train d'être délivrées. Il y a des restaurations, il y a des guérisons. Vraiment, je suis vraiment infiniment reconnaissante à notre Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la force lui reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais être reconnaissant à Dieu. Et je me nomme Roto Cécile. Mon frère est divin, c'est la sœur Séveline. Dieu a fait deux témoignages, ce que Dieu a fait pour moi. Et effectivement, le premier témoignage, et Dieu libère, Dieu exauce. Dieu m'a libéré, il m'a exaucé. D'abord, je suis dans ma famille, je suis le seul qui est converti. Et réellement, quand le pasteur priait hier, il dit, ce que vous avez avalé en songe, vous avez mangé, vomissez ça. Vraiment, avant-hier nuit, dans mon songe, dans ma famille, je connais ma famille adore fétiche, ils adorent masse, ils adorent génie. Et dans mon sommeil, je dormais, voilà, un petit bonhomme comme ça, il est court comme ça. Il a pris bois, il m'a lancé, j'ai doublé. Jésus-Christ. Il a fait troisième coup, j'ai doublé. Son troisième coup, je l'ai saisi. Et puis, je l'ai prié. Il est mort dans ma main. Puis je me suis levé. Mon deuxième témoignage, je rends grâce à Dieu. Quand je suis venu dans cette église, mes enfants se sont levés contre moi. L'ennemi a remué sa queue. Dieu a jeté ma prière. Hier, elle était assise avec son mari là. Ils étaient assis là. Et quand je les prêche, j'ai dit, chez nous là, on renverse les principautés. Elle dit, maman, toi tu peux renverser les principautés. J'ai dit, il faut venir voir les pasteurs. Ce ne sont pas les pasteurs présentés, mais ce sont les vrais pasteurs remplis du Saint-Esprit. Jésus-Christ. Donc, elle et son mari, ils sont à l'Assemblée de Dieu. J'ai dit, quittez là-bas, venez ici, il y a le vrai Dieu ici. Avant-hier, c'est comment on appelle, dimanche qui a passé là, où on va commencer les choses, la conversion, on va commencer, et puis Pasteur Basile est venu à la maison. Quand il est venu à la maison, il dit, Pasteur Basile, voilà ma première fille. Ma fille, voilà mon pasteur. Pasteur a bombardé l'évangile. Elle dit, papa, donne-moi ton numéro. Elle a pris son numéro. Elle dit, viens, papa, viens. Non, je suis comblé de joie. Je suis puissant. Bien, elle est assise là-bas. Les témoins qui ont passé, quand ils sont partis à la maison, son mari m'a appelé. Il dit, la vieille, il dit oui. Il dit, mon vieux, votre église est vivante, hein? Il dit encore. Nos pasteurs qui sont, ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les pasteurs fréquents, ce sont les puissants. Vraiment, je voulais dire merci à Dieu. Dieu a commencé, il va terminer, que son nom soit béni. Amen. Soyez béni. Je me nomme le frère Kofi Jérôme. Mon fils et le disciple, c'est la sœur Aka Jeannette. Il n'y a pas longtemps que je suis là. Peut-être deux ou trois semaines. Je voulais vraiment rendre grâce au Seigneur, lui dire merci. Parce que j'avais une soif en moi. La vie religieuse, je l'ai faite. Je viens un peu de loin. Promener un peu dans les églises pour chercher la face de Dieu, pour voir comment adorer Dieu. J'avais cette soif. Mais comment trouver une communauté pour me donner pour m'étancher la soif? C'est ainsi que le Seigneur, parce qu'à un moment donné, je ne partais plus à l'église. J'étais à la maison. J'ai pensé que moi-même, moi seul, je pouvais lire la Bible et puis appliquer tel que ça se fait ici-là. Mais impossible.
Mais je disais à mes frères dans les communautés que je ne peux pas rester ici. Donc je sortais chaque fois. C'est ainsi que Dieu nous a conduits chez cette sœur. Elle nous a parlé de ce lieu. Alléluia. Et quand je suis arrivé, le premier jour j'ai mis pied. C'est elle-même qui m'a conduit ici. J'ai seulement écouté. J'ai seulement pris mon temps pour écouter parce que je sais que je viens de loin. Et quand j'ai fini, pendant qu'on était là, je sentais une chaleur en moi, une forte chaleur qui envahissait tout mon corps. Pendant que j'écoutais, j'ai dit certainement, il y a quelque chose de nouveau ici. Et je suis parti, je ne suis pas présenté. Le dimanche, je me suis donné. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Tellement les choses se passaient extraordinairement bien ici. Tellement le spirituel est vécu ici. J'ai demandé à mon fils, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a une église à Biguin ici qui est comme ça? Est-ce que tu es sûr qu'il y a une église qui existe qui est comme ça? Vraiment, j'ai béni le Seigneur. J'ai vu qu'il y a la vérité. Mais quand je suis arrivé, j'avais des problèmes, j'avais des douleurs, j'avais des maladies en moi. Et le Seigneur avait commencé déjà la délivrance. Je faisais souvent des songes où j'ai un frère que j'aime bien. Un frère que j'aime bien, qui tire chaque fois sur moi et je suis malade. Chaque fois il tire sur moi et je suis malade. Dès que j'ai commencé le premier jour de jeûne de repentance, je me suis retrouvé au village dans la famille où tout le monde était réuni. Ils ont envoyé un cousin d'abord, je l'ai frappé. Acclamons pour Jésus-Christ. Quand je l'ai frappé, tous indignés, ils ont dit, mais ils ont crié à l'autre, va le frapper, va le finir avec lui. Quand il est arrivé, je l'ai étranglé. Alléluia. Jésus-Christ. Et mon pied droit, il y a un mal dedans. Je passais le concours de l'ENA et pendant que je composais, il y a 1000 pattes qui m'a piqué là. Depuis là, il y a un mal qui se promène dans mon corps. Le jour même, on faisait le brisement des liens. Le pasteur Traillé m'a demandé, tu as ressenti quoi? Je lui ai dit que il y a quelque chose qui se promène chaque fois dans mon corps. Donc, ils ont prié pour moi. Hier, la même chaleur que j'ai ressentie le premier jour quand j'ai mis pied ici, commença à monter en moi pendant qu'on priait. Et ce mal qui se promène, c'est quelque chose qui se promène dans mon corps, suivi de douleur, a disparu. Jésus-Christ. C'est sorti par là et j'ai senti que là où le pile-patte m'a piqué, j'ai ressenti la douleur, comme si c'était le premier jour où l'insecte m'a piqué. Et ça a disparu. La nuit, je suis allé me coucher, j'ai eu un songe. Je me retrouve avec tous mes frères. Depuis que je suis ici, je suis devenu sacrificateur de ma famille. Jésus. Je les ai réunis, j'ai dit, suivez-moi. On a des territoires à conquérir. J'étais devant eux. On rentre dans un endroit très beau, mais il y a une maison, une villa. Et on rentre dans cette villa. Voilà que des gorilles sont déchaînés, des gorilles. Au départ, ils étaient petits. Sans que mes frères ne bougent, je les ai tous terrassés. Jésus-Christ. Et quand j'ai fini de terrasser les gorilles, il y a eu des adultes gorilles qui sont venus. Je les ai terrassés. Et j'ai mis mes frères, je les ai alignés, et puis j'ai dit, attendez ce qui va arriver. À un moment donné, il y a eu comme une pluie dans la salle, dans la maison. Il ne pleuvait pas dehors, il pleuvait dans la maison. Et ça nous arrosait, ça nous purifiait. Et c'est là que je me suis réveillé. Alléluia. Je voudrais dire grand merci au Seigneur. Bénis son nom pour ce moment. Il y a tellement de choses que j'ai déjà vécues ici. Je ne peux pas dire ici. Peut-être qu'après. Il y a encore qui arrive. Alléluia.
Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwasi Chantal et je faisais des disciples le pasteur D. Joseph. Gloire à Dieu. Vraiment, le Seigneur vient de me délivrer. Frère, quand nous avons entamé le jeûne, j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'avais une lutte entre l'église et les membres de ma famille. Les gens luttaient. Bon, eux, ils me réclamaient, l'église aussi me réclamait. Quelqu'un a dit comme ça que, vous pensez que Chantal va se marier dans votre église? Non, parce que son condom ombilical se trouve au campement, c'est-à-dire là où je suis née. Et l'église a dit que je vais rester avec vous, gloire à Dieu. Et tout à l'heure, lorsqu'on priait, vraiment, j'ai eu une vision. Et dans la vision, excusez-moi, dans le songe, pendant que l'église butait avec les membres de ma famille, quelqu'un est sorti entre les membres de ma famille et il a mis une alliance sur mon doigt. Et tout à l'heure... Attendez. Elle dit que ce n'est pas encore fini. Et tout à l'heure, lorsqu'on priait, dans le songe, je n'avais pas vu le visage de la personne qui est venue mettre l'alliance. Mais tout à l'heure, lorsqu'on priait, j'ai eu une vision. Et dans la vision, c'est-à-dire que le même songe s'est répété. Et la personne qui est sortie entre les membres de ma famille venue mettre l'alliance, c'était mon grand-père. Gloire à Dieu. Et mon grand-père, il est mort depuis 2014. Mais tout à l'heure, lorsqu'on priait, vraiment, le Seigneur a agi. Il est venu. Acclamons pour Jésus-Christ. Frère, depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas coco dans ma famille pour dire d'autres. Et nous sommes malheureux. Mais tout à l'heure, mon grand-père partait, il me disait, c'est moi qui vous ai marié, c'est pourquoi vous ne vous mariez pas. Mais aujourd'hui, j'enlève l'alliance et je m'en vais, je vous libère. Alléluia. Vraiment, je vais rendre gloire au Seigneur pour cette délivrance qu'il vient de m'accorder. Que l'honneur et l'élévation lui soient dus au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Moi, c'est la sœur princesse Samassi. Je suis disciple du pasteur Meunier. Je suis missionnaire en Angleterre. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Je veux bénir aujourd'hui le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et ma famille. Amen. Mon père avait divorcé ma mère 35 ans. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, ici à la CMCI, j'ai commencé à prier pour la conversion de ma famille. Et en 2015, ma mère a donné sa vie à Jésus. Jésus. Et je courais derrière papa. L'année dernière, quand je suis venue, papa était à la grande là-haut. Et par la grâce de Dieu, il a donné sa vie à grand là-haut. Pendant qu'il me fuyait, il allait tomber sur le missionnaire de grand là-haut. Et il a donné sa vie à Jésus. Jésus. Et dans le mois d'avril, mon père et ma mère se sont remariés après 35 ans de divorce. Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Nous servons un Dieu aux possibilités illimitées. J'avais 2 ans quand ma mère a quitté mon père. Et les deux étaient des ennemis jurés. J'ai jamais vu papa et maman rire ensemble depuis que je suis née. Aujourd'hui, il appelle ma maman ma peau de fleur. Jésus-Christ. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là. Venez. Thank you.
Jésus-Christ. Jesus. Jésus est vivant. 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 Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais chanter un petit chœur parce que je suis bêté, je suis d'Issia. Que le peuple s'élève. La chanson dit, si même je suis abandonné par ma mère, par mon père, mon Jésus ne peut jamais m'abandonner. Et que quand il y a la mort, quand les gens vont aux funérailles, après avoir pleuré, après l'enterrement, les gens se retirent. Mais il y a quelques-uns qui restent. En béton, on les appelle les zogo-zogo. Alléluia! Hey! Mon père m'a laissé, ma mère m'a laissé, mais mon Jésus de la CMCI est mon zogo-zogo. Alléluia! Zogo na zogo, wale na zogo na zogo, je suis moi na zogo na zogo na zogo, je suis moi na zogo na zogo, je suis moi na zogo na zogo na zogo, moi na zogo na zogo. Le Seigneur, c'est la joie. Alléluia. Mona, 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 aïsé. Mona, 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 aïsé. La joie, la joie, la joie de Jésus. Je suis dépassé. L'émotion, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pour mon bébé qui est là. Effectivement, ce qu'elle a dit, c'est ça. Mais Jésus est Seigneur.
après 35 ans de séparation. Je ne savais pas si elle était femme et si elle n'était pas. Quand elle s'est séparée, elle est partie, elle a fait 3 enfants. Moi, j'ai fait 4 ans. Sur, on a, jour pour jour, on avait 7. Alors, où celle qui est là, elle est ma deuxième. Quand le premier est parti, le premier qui est remplacé, c'est un garçon, elle est la deuxième. Mais ma fille, la petite, elle est là avec moi. Quelques rares fois, elle va chez sa maman. Et aujourd'hui, où je parle, c'est elle qui est, a fait le foyer maintenant pour que sa maman et moi, nous unissons nous encore de niveau. Lorsque on s'était pris, elle avait 16 ans, moi j'avais 25 ans. Et on était, je l'ai doté. Je l'ai doté comme on l'a tous les bêtés. Mais le mariage n'était pas encore scellé devant le maire ni devant Dieu. On se promène dans les églises célestes. Je suis parti de la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria, pied plat dans l'avion, aller-retour. Alléluia. Et je cherchais Jésus. Mission catholique où je suis né. On dit la Bible, il y a des versets qui rendent fous. C'est le prêtre seulement qui porte la Bible. Nous n'avons pas droit à la Bible. Mais j'ai tellement cherché Jésus. Mais il fallait que nous nous séparions et que, à l'heure où je parle, le micro que j'étais, il y a un de mes pasteurs que j'ai vu ce soir, là, quand je suis venu, je suis à Yamoussoukro présentement. Il y a un de mes pasteurs que j'ai vu, on était à Boboga, on est dans la même église. Il est là, il s'appelle pasteur Gégé. Il doit être là, mais il ne m'a pas vu ce soir-là. C'est dans cette église, c'est pour mener en cherchant Jésus. Moi, avant, on m'appelle Diac Simon. Ancien. Et aujourd'hui, je m'appelle Frère Simon. Alors, vraiment, je remercie Dieu et je remercie ma fille par son papa. C'est une joie qui m'anime pour que ma maman, elle est ma petite maman, elle est demain derrière ma maman. Donc, présentement, c'est mon cœur qui est là. Mon cœur. Jésus-Christ. Mon cœur. Alléluia. À Grand Laou, lorsque vraiment le mariage se faisait, ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible. On ne pouvait pas voir. C'était la joie, les pleurs. Le pasteur a dit, regardez ces hommes-là, c'est pour glorifier le nom de Dieu seulement. Sa foi, 35 ans de séparation, ce n'est pas quand même une mince affaire. Est-ce que vous voyez, 35 ans, ce n'est pas possible. Et ce sont les gens qui viennent devant Dieu pour dire que nous sommes là pour te servir pour nos derniers jours. Alléluia. Alors ce soir-là, je remercie Dieu, je remercie l'Assemblée, je remercie le Dieu de la CMCI, parce qu'il est le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors vraiment, la maman va parler un peu. Comme elle ne peut pas parler. Alors que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu vous bénisse. Tu relèves ta face. Jésus, relève ta face. Il relève ta face. Jésus, relève ta face. Tout le monde. Jésus, le lion de Judas, tout le monde. Le lion de Judas, Jésus, le lion de Judas. Le lion de Judas, Jésus, le lion de Judas. Il a triplé Satan, Jésus a triplé Satan. La triple Satan, Jésus a triplé Satan. Tout le monde.
Thank you.